L'intelligence du soleil est divine, mais la terre peut devenir pareille seulement si, bien évidemment, cela n'est pas garanti et la terre peut mourir n'ayant rien atteint. De quoi cela dépend? La réponse fut assez vague. Il existe une période définitive pour que certaines choses soient faites, effectuées. Une fois le délai épuisé, ce délai de temps, si rien n'est fait de ce qui était censé être fait, la terre peut mourir sans atteindre ce qu'elle aurait pu atteindre. Cette période spécifique est-elle connue? Elle l'est. Mais cela n'avantage en rien de la connaître. Ce serait en fait pire. Certains y croient, d'autres non, et d'autres encore demandent des preuves. Par la suite, ils se seraient mis à se briser la tête les uns des autres, et c'est ainsi que tout termine avec les gens. Fin de cet extrait. Cette période, c'est celle actuelle, celle que nous vivons aujourd'hui, en 2023 et bien avant. Autre nom. Vous avez dit que nous vivons sous la loi de l'accident. Quelle est donc la source d'origine de cette loi? Pouvons-nous nous en libérer? Les accidents ont différentes manifestations. Les formes les plus simples de celles-ci disparaissent assez rapidement si nous sommes dans un état de réveil optimisé. Les accidents ont différentes manifestations. Les formes les plus simples de celles-ci disparaissent assez rapidement si nous sommes dans un état de réveil optimisé. Mais ne prenez donc pas cela, ne l'interprétez pas littéralement. Cette loi est vaste et contient de nombreuses facettes. C'est une question de degré. Uniquement en absolu, les choses sont-elles? En absolu. Vous ne pouvez que dire, si je travaille afin de me libérer de la loi de l'accident, ma vie sera-t-elle moins chaotique? Certainement, si votre objectif constant est de se libérer des voies menant aux accidents. Comment s'extirper de ces mauvaises influences? Avant d'entreprendre ce projet, il vous faut d'abord connaître la nature de celles-ci. Nous les connaissons une fois que nous sommes sous l'effet des forces plus hautes. Ces forces sont normales, cosmiques, bien qu'il soit possible d'en recevoir les effets ou de les bloquer. Une personne endormie les bloque. Une personne en état d'éveil optimisé est plus en mesure de les recevoir. Puisque nous n'avons pas développé nos centres corporels, comment recevoir l'influence venant des mondes les plus hauts? Notre état normal est relatif. Lors de nos meilleurs moments, nous sommes réceptifs à ces hautes influences qui nous atteignent via nos centres. Bien que nous ne soyons pas de façon permanente connectés aux centres, ils nous influencent lorsque ces centres ne sont pas trop enterrés. L'homme a la possibilité de développement avancé, mais celui-ci dépend en partie de l'effort et de la compréhension de chaque personne. Cela rentre dans le grand drame et objectif cosmique qu'une certaine quantité de gens se développent, mais pas tous, car cela entrerait en contradiction, pour ainsi dire, face à un autre objectif cosmique. Évidemment, l'humanité se trouve sur Terre, vit cette vie et souffre. Mais un certain nombre d'hommes peuvent y échapper, et cela fait partie du grand plan cosmique. Vous avez dit que cela était le but, que quelques-uns d'entre nous se développent. Cela rentre aussi, comme nous pouvons l'observer, sous l'auspice de la loi, par exemple, des accidents de rue. Il est bien connu que dans toutes les grandes villes, une certaine quantité de gens meurent au sein des trafics de rue. Qui est tué n'est pas déterminé, n'est pas écrit sur marbre. Il n'est pas nécessaire que cela corresponde à telle ou telle personne, mais à un certain nombre. Un certain quota, un certain ratio. Au même titre qu'un certain ratio et quota, de gens peuvent y échapper, mais il n'existe aucune obligation dans ce cas précis. Pause. C'est de là que vient la doctrine des 85%, des 15%, des 5%, des 1%, des 0,1%. Plus vous faites partie de la haute majorité de pourcentage, plus vous avez de chances d'être victime de la loi d'accident. Lorsque vous augmentez en conscience, vous remarquez que les forces sont conscientes et actives, et non passive, donc aucune coïncidence. Les hommes vivent sous combien de lois? Nous ne le savons pas. Ce n'est pas une question de catalogue, mais de compréhension, d'idéation. L'homme ne se trouve pas sujet à une loi unique, mais bien à différents types de lois. Une autre loi est la loi de l'ignorance. En commençant à se connaître, on se débarrasse de cette loi. Nous savons que l'homme vit selon la loi de l'identification. Il faut donc se libérer de celle-ci en se souvenant de qui nous sommes réellement. Fin de cet extrait. Et voyez, toutes ces lois ne peuvent être connues que si vous êtes au courant de la loi du destin et de la destinée. Et voyez, toutes ces lois ne peuvent être connues que si vous êtes au courant de la loi du destin et de la destinée. Ce sont des lois cosmiques. Vous savez que toutes les lois sur Terre ont pour origine des lois cosmiques. 85% des gens ne sont pas en connaissance de ces lois. On en vient donc au principe de lois telles que celle du libre arbitre, etc. Afin de s'échapper de ces lois, mieux vaut être en connaissance de son destin cosmique, non celui terrestre. Extrait.
Quelle est la connexion entre cette statue et moi? Tout est interconnecté. Prenez comme point de référence les réponses précédentes. Peut-elle en faire usage afin d'accéder à la conscience universelle? Positif. Le libre arbitre et l'apprentissage semblent être des basiques de principes de direction estimés à 7 niveaux. Le libre arbitre et l'apprentissage semblent être des basiques de principes de direction estimés à 7 niveaux. Dans ce cas-ci, le libre arbitre et concept d'apprentissage font partie du niveau 1 de ces 7 niveaux. Vous dites que les gros cercles représentent des formes de pensée unifiantes et unifiées de la densité 6. Qu'est-ce que cela signifie donc? Nous réalisons la compilation d'un almanach ainsi qu'un manuel pour la population entière terrestre. La raison est que des millions désirent connaître les questions et réponses adéquates à l'aube du grand cycle de transformation. Cependant, certains ont choisi cette forme de communication particulière, créant dès lors une forme de conduite. Ceci dit, combien de gens seront réellement en mesure de comprendre ce truc? Loin des principes de direction du niveau 7, de limiter entièrement la disponibilité de la connaissance suprême. Loin des principes de direction du niveau 7, de limiter entièrement la disponibilité de la connaissance suprême. Puisque vous avez été en mesure de m'indiquer un chiropracticien, pourquoi ne pas faire de même cette fois-ci, mais pour un éditeur? Cela rentre en violation avec les directives d'apprentissage. Mais prenez note, c'est une tâche en cours. Mon collègue et moi discutions justement au sujet du nom d'un magazine et nous sommes tombés sur le terme Aurora. Aucun commentaire. Prenez comme référence les deux dernières réponses. Vous vous débrouillez assez bien en faisant usage de votre conscience et quitte du magazine. Nous n'allons pas répondre puisque cela rentre en violation de principes et directions de niveau 1, c'est-à-dire des choix connectés à des changements majeurs pour ce qui est de la mission et objectifs de prédestination préétablis spécifiques de chaque individu. Nous n'allons pas répondre puisque cela rentre en violation du principe de direction de niveau 1, c'est-à-dire des choix connectés à des changements majeurs pour ce qui est de la mission et objectifs de prédestination préétablis spécifiques de chaque individu. Mais qui est ce type et quelle est la nature de son agenda? Mieux vaut ne pas discuter avec ceux qui risquent de menacer et entrer en interférence avec les directives de libre arbitre. Cependant, nous vous suggérons de vous maintenir sur la pointe des orteils avec l'individu en question. Comment faire usage de cela? Violation des directives d'apprentissage de niveau 1. Participez-vous à ces programmations, vous et d'autres groupes de nature service pour autrui? Il n'existe aucun besoin pour nous de prendre part à ces projets. Et pourquoi cela? Car nous ne violons en aucun cas le principe du libre arbitre. Ce sont les êtres de densité 3 et 4 d'orientation négative prenant part à cela. Exact, mais ceux de niveau 4 principalement.